la décoration lui décernée par le président Mahatma Idriss Déby Itno en signe d'amitié et de la coopération entre nos deux nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Au cours de leurs entretiens, ils ont souligné la nécessité de tenir dans les meilleurs délais la grande commission mixte à Kinshasa afin de revisiter le cadre juridique de notre coopération bilatérale. Concernant les échanges économiques et commerciaux, il a évoqué la nécessité de redynamiser ces échanges afin de stimuler la croissance et le développement durable. Abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, des vives préoccupations ont été exprimées face à la multiplication des conflits armés. Le président Mahatma Idriss Déby a exprimé ses profondes préoccupations face à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et ils ont ensemble avec le président de la République appelé la communauté internationale à intensifier son soutien pour faire face à la crise à la fois sécuritaire et humanitaire qui continue à occasionner des milliers de victimes. En marge de cette visite, la République démocratique du Congo et le Tchad ont signé plusieurs accords, notamment un accord cadre de coopération globale qui a été signé mais pas paraphé afin de permettre aux deux parties de s'accorder sur les termes de l'accord. Initialement, un accord de coopération globale avait été signé entre les Zaïre et les Tchad en 1984. L'accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays, détenteurs d'un passeport valide pour une durée de 90 jours, l'accord pour des consultations diplomatiques régulières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que la Direction générale des migrations ont été instruits chacun en ce qu'ils concernent, en veillant à tous les aspects du maintien de l'intégrité territoriale, de prendre des dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ces accords et pour lancer les préparatifs de la grande commission mixte. La deuxième partie de la communication du président de la République a concerné des mesures d'encadrement pour la construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville-province de Kinshasa. Rappelant les lancements des travaux, des constructions de rocades sud-ouest et sud-est de la ville-province de Kinshasa les samedis 22 juin 2024, le président de la République a souligné que ces infrastructures ont pour vocation d'améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisation des quartiers périphériques et d'améliorer les quotidiens des populations riveraines. Ils devront être exécutés dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans. Il s'agit d'un investissement important dont le gouvernement a la responsabilité d'assurer la bonne exécution ainsi que l'appropriation et la protection par la population. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, la ministre d'État aux Affaires foncières, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, sous la coordination de la Première ministre et en collaboration avec le cabinet du président de la République, ont été invités à veiller scrupuleusement à la bonne mise en œuvre de ces projets dans les stricts respects des normes urbanistiques et environnementales en vigueur, et ce, avec le plan d'urbanisation de la ville-province de Kinshasa. Une attention particulière devrait être accordée à la juste indemnisation préalable des compatriotes qui feront l'objet d'expropriations pour cause d'utilité publique. Un rapport sur l'état d'avancement de ce projet, a-t-il insisté, doit être régulièrement présenté sur une base trimestrielle au Conseil de ministres. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la spoliation du patrimoine immobilier de l'État. Le président de la République a été saisi du rapport d'investigation de l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État sur les travaux de construction exécutés à l'intersection des avenues Kisangani de la Justice, de la Libération ex-24 novembre du boulevard du 30 juin, qui fait état d'une spoliation d'un espace public, propriété de l'État,
avec la dégradation de la voirie urbaine, d'entraves à la mobilité des usagers et des risques sécuritaires dans une zone comprenant des services publics sensibles. Face à cette situation, les services techniques du ministère de l'Urbanisme et Habitat, après concertation avec le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et l'ANPPIE, ont pris une décision de suspension de ces travaux en vue d'une solution durable et pour lutter efficacement contre les velléités des spoliations répétitives des immeubles de l'État. Le président de la République a chargé les ministres des Infrastructures, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, d'envisager la mise en place d'un cadre formel de collaboration à cet effet. Par ailleurs, le président de la République a saisi cette occasion pour annoncer la tenue prochaine sous son patronage des états généraux du patrimoine immobilier de l'État, tels que repris dans le programme d'action du gouvernement. Ces assises permettront de poser les jalons de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une véritable politique immobilière de l'État. La première ministre, en collaboration avec son cabinet, a été encouragée à prendre des dispositions utiles quant à ce. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de poursuivre les efforts d'amélioration de notre système éducatif. L'éducation demeurant une priorité du gouvernement, le président de la République encourage la consolidation et la pérennisation du dialogue social avec toutes les parties prenantes en prévision de la rentrée scolaire et de la rentrée académique prochaine. Et ce, pour permettre l'accès de tous les élèves et étudiants à une éducation de qualité dans le respect de leurs calendriers respectifs. En ce qui concerne l'enseignement primaire, il a insisté pour que les efforts consentis pour la gratuité se poursuivent afin d'améliorer la qualité et la gouvernance des établissements scolaires, en plus de l'accessibilité accrue d'élèves générés par ces programmes. À cet effet, a-t-il instruit toutes les infrastructures dont la construction est terminée dans le cadre du PDL 145 territoires et autres doivent être livrées aux bénéficiaires sur toute l'étendue de la République. Au sujet de la formation professionnelle, le président de la République a martelé qu'elle requiert la mise en œuvre des stratégies appropriées pour produire la main-d'œuvre utile aux entrepreneurs et donner plus d'emplois aux Congolais. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et universitaire, il a encouragé l'évaluation à mi-parcours du système LM2 qui est appliqué dans notre système académique dans un dialogue constructif pour garantir sa mise en œuvre réussie. Ainsi, le gouvernement a été chargé de consentir davantage d'efforts pour la modernisation des infrastructures scolaires, académiques et des formations professionnelles afin de doter nos établissements des cadres de qualité qui nous permet d'investir efficacement dans les ressources humaines. La Première ministre ainsi que tous les ministres sectoriels concernés sont appelés à s'assurer avec toutes les parties prenantes d'une bonne rentrée scolaire et académique dans les mois qui viennent. L'autre point de la communication du président de la République a concerné la problématique de la rationalisation du système des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. La politique des rémunérations des agents de l'État, déstructurée depuis plusieurs décennies par des pratiques qui s'éloignent des principes légaux et réglementaires régissant la rémunération des agents publics de l'État, entraînant beaucoup d'injustices devenues profondes et inacceptables, préoccupent les présidents de la République. Des graves disparités sont constatées entre les différentes administrations, selon que dans certains services, les agents sont correctement rémunérés avec salaire et primes, tandis que dans d'autres, les primes sont soit inexistantes ou dérisoires. D'autres agents, non carrément rémunérés, communément appelés agents non payés. Ces mêmes inégalités et disparités sont également constatées entre les services centraux à Kinshasa et ceux déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées. Cette situation, aussi amplifiée par l'existence des grilles barémiques et taux des primes fixés de façon floue et arbitraire par certains gestionnaires publics, impacte négativement la bonne gestion des ressources humaines de l'État.
empêche la mobilité géographique et interministérielle des fonctionnaires et fragilise la cohésion sociale au sein de notre appareil administratif. Pour mettre fin à ces systèmes, qui constituent les germes de bien des frustrations sociales, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a été chargé d'engager sous la supervision de la première ministre et en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, des travaux devant aboutir à la mise sur pied, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle politique salariale, plus juste, équitable, rationnelle et soutenable de tous les agents publics de l'État. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait la restitution au Conseil de la mission qu'elle a effectuée du mardi 25 juin au jeudi 27 juin 2024 dans les provinces du Sud et du Nord Kivu. Une mission qui s'est inscrite dans une double perspective, à savoir présider la fin de la première phase du processus de désengagement de la MONUSCO et apporter l'assistance à nos compatriotes, victimes de catastrophes naturelles, des incendies, des personnes déplacées, mais aussi faire le point général de la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province du Nord Kivu spécifiquement. À Bukavu, elle a saisi l'occasion de son séjour pour s'adresser entre autres à la population à la place de l'indépendance sur le sens de sa visite et les grandes priorités de son action à la tête du gouvernement. Après, elle s'est rendue au quartier Nyamugo pour visiter les compatriotes qui ont été touchés par les récents incendies qui ont ravagé plus d'une dizaine d'habitations. À l'étape des Goma, elle a eu l'occasion d'échanger avec les autorités militaires sur la situation générale de la province. Elle a aussi réuni la communauté humanitaire pour faire le point sur la situation humanitaire afin d'avoir une vue globale de l'étendue des besoins et des solutions à y apporter. Spécifiquement, la première ministre a tenu à saluer la bravoure de nos vaillants militaires sur les différents fronts ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Elle a rassuré que la situation est suivie de très très près. Au camp des déplacés de Mugunga, la première ministre a tenu à se rendre personnellement compte des conditions difficiles dans lesquelles vivent nos compatriotes dans ce camp et leur apporter un message d'espoir du président de la République tout en réitérant la détermination du gouvernement à mettre à tout prix fin à cette situation. À l'hôpital militaire de Goma, la première ministre a dit sa solidarité à nos vaillants militaires blessés et s'est engagée à suivre de près leur prise en charge médicale. Elle a clôturé sa tournée au cimetière du Génocoste pour rendre hommage aux compatriotes tués il y a quelques semaines par un bombardement rwandais au camp des déplacés de Mugunga. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représenté par le vice-ministre chargé des affaires coutumières, a, au cours de la séance du Conseil de ministres de ce jour, présenté l'État et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par les commentaires globalement positifs, consécutifs à la décoration du président de la République chef de l'État, à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national de la République du Tchad pour son accompagnement du processus de paix et de transition dans ce pays. Les réactions et commentaires en divers sens de la population concernant la question de la désignation du porte-parole de l'opposition politique, particulièrement entre les leaders de partis siégeant à l'Assemblée nationale. L'accueil favorable de l'opinion consécutive à la cérémonie de la fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu le mardi 25 juin 2024 dans le cadre du processus des désengagements. Sur un autre volet, le vice-ministre de l'Intérieur a évoqué la tenue des cérémonies de remise et reprise dans les différents exécutifs provinciaux entre gouverneurs et vice-gouverneurs sortants et ceux renouvellement élus, puis investis sur ordonnance présidentielle. En ce qui concerne spécifiquement les processus du désengagement de la MONUSCO, il a indiqué qu'avec quelques membres du gouvernement
qui ont accompagné la première ministre à Bukavu dans la province du Sud Kivu, ils ont noté l'évolution du travail fait conjointement par les équipes, ainsi que des étapes à suivre pour arriver à la fin du processus des désengagements. Dans la même perspective, au regard des engagements pris par le gouvernement de la République de reprendre toutes les tâches jadis exécutées par la MONUSCO, 450 policiers de la Légion nationale d'intervention est arrivé à Bukavu pour s'assurer de la protection de nos populations. Il a informé aussi le Conseil de la signature en qualité du ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions d'un rapport conjoint avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui pourra être présenté dans les prochains jours à New York. Toujours sur ces chapitres, le vice-ministre de la Défense, représentant les vice-premiers ministres en mission, a pour sa part passé en revue la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays et il est revenu spécifiquement sur les opérations en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Autant des opérations de contre-offensive pour la défense du territoire national par les forces armées se poursuivent face à l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 dans les différents points occupés du pays, autant ces renforts sur la traque des terroristes et ADF-MTM qui s'illustrent par des incursions causant la mort de paisibles citoyens dans plusieurs parties du Grand Nord. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue les développements de la conjoncture économique du pays ainsi que les différentes perspectives. L'économie congolaise devrait demeurer résiliente au plan de la croissance sous l'impulsion des industries extractives. Cette situation est reflétée par la consolidation de la confiance des chefs d'entreprise quant à l'évolution de la conjoncture économique à court terme. Sur les marchés de biens et services, un ralentissement de l'inflation est attendu en 2024 comparativement à l'année 2023. Après deux semaines de hausse consécutive, l'inflation a ralenti, les taux d'inflation hebdomadaires s'est établi à 0,2% au cours de la troisième semaine de juin 2024 contre 0,5% une semaine plus tôt. Sur les marchés d'échange, les taux d'échange est resté globalement stable durant la semaine sous revue, attesté par des faibles variations hebdomadaires de 0,11% et 0,19% à l'indicatif et au parallèle. Au 21 juin 2024, les cours se sont établis à 2837,35 francs congolais le dollar américain à l'indicatif et à 2857,82 francs congolais au parallèle. Prenant en compte les facteurs des risques internes tels que les conséquences de l'inflation importée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est de notre pays, la gouverneure de la Banque centrale du Congo maintient la politique des resserrements budgétaires. Elle a formulé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment les respects des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité pour promouvoir un climat favorable à la croissance économique, les suivis rapprochés de la liquidité bancaire, les lissages de défense publique, l'émission des titres de la dette publique en monnaie nationale uniquement, les renforcements des mesures de soutien au secteur agricole face aux effets du changement climatique, l'amélioration des infrastructures des bases, essentiellement les routes des dessertes agricoles, pour soutenir la diversification et promouvoir l'import-substitution. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Mise en œuvre du plan d'urgence de relance de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer
Sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si, au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans les jours qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettra son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. Réaménagement des horaires de service au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a fait le point du processus des réaménagements des horaires de service au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo, tel que décidé par décret du Premier ministre le 17 février 2024. Considérant la nécessité de réajuster certaines dispositions liées notamment aux heures de pause et les résultats de concertation avec les bancs syndicales pour préserver la paix sociale et les bons fonctionnements des services publics, il a sollicité l'autorisation du Conseil afin de permettre à la Première ministre de modifier les décrets précités. Par conséquent, l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, pourtant initialement annoncées au 1er juillet et qui, je rappelle, concernent spécifiquement l'administration publique, devrait être différée au 1er août 2024 afin de permettre que des dispositions idoines soient prises pour faciliter une meilleure circulation d'informations auprès de tous les cadres et agents de l'administration publique en activité sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'aux usagers des services publics. En attendant, les anciens horaires devront être de stricte application. Il a conclu son propos en rappelant que les règlements d'administration qui modifient de manière substantielle le cadre disciplinaire et fonctionnel global des services publics de notre pays consacre des mesures essentielles qui doivent être en phase avec le décret du Premier ministre, la Première ministre qui a recommandé que tout se déroule dans un esprit de dialogue avec tous les délégués syndicaux de l'administration publique. Finalisation de la feuille de route et de l'accélération des ODD. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a expliqué au Conseil comment son ministère, à travers l'Observatoire congolais du développement durable, a conduit les travaux de formulation de la feuille de route d'accélération des ODD. Il a indiqué que cette feuille de route constitue une réponse et un engagement du gouvernement pour une mise en œuvre efficace des ODD et son objectif principal est de disposer des interventions spécifiques à fort effet d'entraînement pour lever de manière efficace et durable les goulots qui freine la mise en œuvre des ODD en République démocratique du Congo, plus spécifiquement la feuille de route qui répond simultanément à la multiplicité des enjeux de l'agenda 2030. Elle propose d'accélérer des trajectoires de progrès à partir de 6 axes dont certaines mesures sont d'ores et déjà mises en œuvre afin que la République démocratique du Congo soit au rendez-vous des ODD à l'horizon 2030. Parlant du forum national prévu à ces propos, le vice-premier ministre a précisé que ces assises vont essentiellement se pencher sur l'examen par les différentes parties prenantes de la feuille de route susévoquée. Il permettra de promouvoir une forte appropriation nationale et une réflexion sur les mécanismes de financement ainsi que sur les suivis et évaluations. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Fréquence d'évaluation de la 12e conférence diplomatique et implémentation des recommandations. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a présenté au Conseil, en réponse à ce que le président de la République avait recommandé à la 2e réunion du Conseil des ministres, la note relative à la fréquence d'évaluation de la 12e conférence diplomatique et implémentation des recommandations. Au sujet de la fréquence, elle a rappelé l'importance de la tenue de ces assises pour un meilleur suivi et évaluation
de la mise en œuvre des recommandations des différentes conférences diplomatiques. D'où la recommandation de mise sur pied, par un arrêté du ministre des Affaires étrangères, d'un comité sous son autorité, la supervision par le secrétaire général aux affaires étrangères. Plusieurs mois après la tenue de la 12e conférence diplomatique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a présenté l'implémentation des 52 recommandations, dont 15 sont partiellement exécutées, 30 demeurent encore non exécutées, 7 en cours ont été identifiées comme n'étant pas de son ressort. Le président de la République a recommandé à la ministre des Affaires étrangères de faire de son mieux pour organiser une conférence diplomatique dans les mois qui viennent et pour avoir l'occasion de faire le point et l'évaluation des mesures qui ont été prises à la dernière conférence. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Promotion des voies navigables des dessertes agricoles. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil les projets d'appui à la promotion des voies navigables des dessertes agricoles en République démocratique du Congo. Ces derniers proposent une planification des actions préalables et prioritaires à réaliser à moindre coût et dans un bref délai avant la fin du quinquennat en cours, afin de réduire sensiblement l'insécurité alimentaire, de créer des milliers d'emplois et des richesses en milieu rural et amorcer durablement la transformation et l'industrialisation des productions agricoles, pastorales mais aussi halieutiques. 4 axes stratégiques ont été identifiés et leurs motivations respectives expliquées. Il s'agit de l'exploitation prioritaire de voies navigables pour les désenclavements et l'interconnexion des bassins de production agricole et des territoires du pays, la construction et l'exploitation des entrepôts portuaires des dessertes agricoles, les rachats locaux des produits agricoles, pastoraux et halieutiques auprès des populations rurales à structurer en entreprises familiales agricoles ou en coopératives et en groupements d'intérêt économique, l'appui à la construction en PPP des 94 convois, dont un par EPDA, constitué notamment d'un pousseur, de 4 barges à marchandises et de 2 barges à passagers adaptées aux voies navigables des dessertes agricoles, autrement dit aux voies navigables de la 4e catégorie. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a brossé les principales réalisations attendues au terme de l'appui à la promotion des voies navigables des dessertes agricoles avec pour objectif de désenclaver les zones agricoles et d'obtenir assez rapidement les résultats. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. La 9e note d'information présentée au Conseil des ministres de ce jour a porté sur l'état des lieux du projet des dégazages du golfe de Kabuno dans le lac Kivu. Le ministre des Hydrocarbures a fait rapport au Conseil de l'état de lieu du projet de dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu. Il a indiqué que la phase industrielle s'exécute avec l'installation de 3 stations. À ces jours, une première station a été installée et la réception provisoire a eu lieu le 12 septembre 2023, donnant ainsi espoir à nos populations du Nord Kivu et du Sud Kivu quant à la résolution définitive de la problématique d'explosion gazeuse dans le golfe de Kabuno. Après 8 mois de fonctionnement de la période de parfait achèvement de la station industrielle 1, des problèmes majeurs se posent. Les décalages dans la mise à disposition du reste de fonds du projet sollicité depuis octobre 2023 et la dérive de la station pilote qui n'est plus qu'à 40 mètres d'une collision possible avec la station industrielle 1 en arrêt sur décision de l'entrepreneur pour réduire les risques. Considérant d'une part les caractères hautement sécuritaires que revêt ce projet pour la protection de notre population environnant du golfe de Kabuno, d'une éventuelle explosion gazeuse et d'autre part les efforts du gouvernement de la République à sécuriser et rendre plus attractive la ville des Goma et ses environs, le ministre des Hydrocarbures a appelé à la diligence du gouvernement pour le déblocage de fonds nécessaires en faveur de Bessékou ainsi que la somme requise pour l'amarrage et l'entretien de la station pilote. Cette action permettra de relancer
les opérations de construction des deux stations restantes et d'élever définitivement cette menace qui pèse sur nos populations du Nord Kivu et son écosystème. Réagissant à cette intervention, le président de la République a instruit le ministre des Finances de travailler diligemment avec le ministre des Hydrocarbures pour la mise en œuvre des prochaines étapes de ces processus afin de sécuriser les populations environnantes du lac Kivu. La 10e note d'information a été présentée par le ministre du Commerce extérieur, qui a informé le Conseil des recommandations issues de la 3e retraite ministérielle et à la 14e réunion du Conseil des ministres de la SLECAF, auquel il a pris part du 14 au 25 juin dernier à Zanzibar. En marge de ces assises, trois éléments sont ressortis de la rencontre qu'il a eue avec le ministre du Commerce extérieur et le secrétaire général de cette organisation africaine, notamment la tenue prochaine en RDC du Forum régional Afrique centrale de la SLECAF sur le secteur privé, la possibilité d'installer en République démocratique du Congo le bureau du système africain de paiement et règlement en monnaie locale pour la facilitation de transactions commerciales, surtout pour les petites et moyennes entreprises, et l'organisation de la prochaine réunion du Conseil des ministres de l'ECAF au mois d'octobre 2024 à Kinshasa, avec son homologue ougandais, qu'il a rencontré en marge de ses assises. Les ministres du Commerce extérieur a eu une séance de travail qui fait suite au mémorandum transmis au gouvernement par la synergie de la société civile Kassindi Lubiria en groupement Basongora, appuyé par la Fédération des entreprises congolaises locales, dénonçant la violation des règles internationales sur le transit douanier de marchandises via l'Ouganda. En effet, il a été relevé que l'Ouganda soumettait les marchandises, notamment les poissons salés, en transit pour la RDC, à des restrictions non nécessaires, allant jusqu'à les retenir, les décharger sur son territoire et organiser leur venue sans consentement de l'opérateur économique, ce en violation de l'article 1 alinéa 7 de l'annexe 1 de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce portant sur la liberté de transit ainsi que d'autres instruments internationaux qui réglementent les échanges commerciaux entre États. Son homologue ougandais a regretté ces incidents et a promis de régler en urgence cette question dès son retour à Kampala. Par ailleurs, le ministre du Commerce extérieur a rappelé que le comité national de mise en œuvre de l'ECAF a tenu sa première réunion sous la présidence du Premier ministre le 28 septembre 2023 concernant l'implication de la République démocratique du Congo dans les activités de cette organisation régionale. D'ici le mois à venir, il a informé le gouvernement de l'organisation d'une série de réunions du Conseil technique et du secrétariat exécutif dans les jours qui viennent avant de solliciter auprès de la Première ministre la tenue d'une nouvelle réunion des coordinations. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et pour terminer sur ces chapitres de notes d'information, le ministre de la Formation professionnelle a présenté au Conseil le rapport sur la tenue du premier forum africain des institutions des cadres nationaux des certifications tenu du 18 au 20 juin dernier à Kinshasa. Ces forums qui s'étaient fixés pour objectif notamment d'appréhender et de réfléchir sur les expériences africaines du développement, la réforme, la mise en œuvre et les impacts des CNC et politiques connexes, de partager des informations actualisées sur les activités en cours et planifiées du projet ACQF, y compris des sessions de formation, des dialogues et des co-construire les grandes orientations de la feuille de route pour les lancements et l'opérationnalisation du réseau africain des certifications et de valider la proposition de base pour le développement en juillet 2024 des termes de référence du réseau. 17 pays participants et 4 organisations régionales y ont pris part et les participants ont adopté plusieurs recommandations. Toutes ces actions concourent au rayonnement du secteur de la formation professionnelle et métier, tel que prôné par le président de la République, de faire de son secteur les leviers par excellence pour l'émergence d'une classe sociale moyenne et la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée
facteur important pour la réduction du taux de chômage, dans la même foulée, celle de la pauvreté, particulièrement chez les jeunes en proie à toutes sortes de maux et qui freinent leur épanouissement. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Les derniers points du Conseil de ministres de ce jour a porté sur l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la deuxième réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 21 juin 2024. Commencée à 14h36, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h37. Je vous remercie.